Allez, salut tout le monde, c'est Tazo Récupération. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 110, les amis. 110e putain déjà. 110e épisode de notre aventure 100% sur Hyrule Warriors Definitive Edition. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, les amis, je vais très bien. Au niveau de l'épisode précédent, on avait commencé, on va continuer la carte à explorer dans le mode aventure, dans lequel on avait fait tout simplement, souvenez-vous, ici. Donc cette zone là dans laquelle on avait pu débloquer dans laquelle on avait pu débloquer l'hydrobombe qui nous a du coup ouvert plein de possibilités en tout cas au moins j'en retiens au moins 3 ici ici, mais ici le problème c'est que si on explore là directement on va pas pouvoir le faire maintenant parce que l'exploration requise requiert un personnage en question. Et on pourra faire ici, et donc du coup, bah, aujourd'hui, on va faire cette zone-là, en termes d'exploration requise et en termes de cases tout court, tout simplement. Et en plus, après avoir fait là, on avait débloqué deux nouvelles zones, donc on avait débloqué ici, et on avait débloqué un truc ici. Voilà, donc dites-vous que, du coup, bah, ça nous avait ouvert des possibilités. Alors du coup, on va aujourd'hui se rendre dans cette zone-là, avec la boussole, tout simplement, dans laquelle, au moins, on va continuer notre ascension dans cette carte aventure. Et on va directement explorer parce qu'ici il y a quelque chose avec fée. Alors j'imagine que c'est un réceptacle de cœur ou une connerie comme ça. En général c'est toujours un réceptacle de cœur. Et du coup il faudra utiliser une hydrobombe tout simplement sur ce rocher pour tout simplement débloquer la suite. Donc du coup on y va. Voilà, vous avez débloqué une nouvelle récompense de victoire. Et du coup, nous avons également, voilà, c'est bien ce que je pensais, un réceptacle de cœur avec Fear. Et en plus, on aura une carte d'objet de boussole. Donc c'est bien. Et du coup, c'est un quiz sur Skyward Sword. Donc ça veut dire que l'épisode, logiquement, va pas durer très très longtemps. Alors du coup, Fear, sur la plaine d'Hyrule, on va mettre toutes nos chances de notre côté en utilisant une arme assez pétée. Voilà, Ruby Plus, voilà, c'est bien, parfait, les Ruby Plus, c'est ce que je veux. Oh, what the fuck? J'avais oublié. Ah. Non. Non. On peut limite faire le chant du Kukiri. On peut limite reproduire le chant de la forêt. Putain, c'est trop bien. Mon dieu, c'était trop bien. C'est juste le moment cool de l'épisode. Alors du coup, on va commencer. Alors j'imagine, ça va s'ouvrir à droite. Du coup, on va se rendre ici. On est bientôt au niveau 32 en plus avec elle. Alors c'est quoi le petit premier problème? Éliminer le monarque démoniaque. Ah. Le monarque, d'accord. Hop. Aïe, 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 doucement, doucement, eh oh. Hey, doucement. Attention. Attention, attention. Hey, doucement. Hey, Jiraim. N'abuse pas, quand même. Avec fer, c'est un petit peu galère, quand même. Et voilà, niveau 32. Bon, finalement, on l'a explosé. Oh putain, 19%. Ah ouais, il faut que je fasse attention là, par contre. Armes et matériaux rares. C'est nickel. Alors, du coup, on avance vers le... C'est bien, on a obtenu des matériaux ultra rares. Alors, du coup, il faut aller vers le prochain fort. Hop. Alors, du coup. Alors, il faut s'attendre après à un boss ou quoi que ce soit. J'imagine qu'on aura le banni à la force. Je sens la couille arriver, donc c'est pour ça. Éliminer le poids lourd. Ah d'accord. Le poids lourd. Hep. Non. Hep. Non. Non, attention, attention. Voilà. Ça c'est fait.
Voilà, vas-y, un Gwiz sur les ennemis de Skyward Sword. Bon, là, il faut s'attendre au banni. Hein. Il faut s'attendre au banni, les gens, donc j'appréhende. Donc, c'est pour ça que j'ai gardé mes jauges de coup fatal. Plus simplement. J'ai préféré. Là, je sens le banni, en fait, c'est pour ça. Enfin, je sens le banni, c'est un petit peu bizarre de dire ça. Mais ça sent le banni, en fait. Troisième problème, on va voir le banni, éliminer le bombe d'ennemi. Banni Rodonongo, une connerie comme ça. Ah non, l'esprit qui repose dans une épée Fear. Fear, on doit éliminer. D'éliminer d'autres clones. De toute façon. Hop. Aïe, aïe, doucement. Ok. Ça, c'est fait. Ok. Allez. Élimine-moi ça. Combien? 23%, ça va. Je crois que c'est 25. Hein. Je sais plus, mais je crois que c'est 25. Hop. Et doucement. Alors, elle est où? Et voilà, on a éliminé le bon ennemi. Et matériau rare. Merde, on peut pas obtenir le sac d'armes. Putain, je suis dégoûté. Ah, le sac d'armes. On peut pas obtenir le sac d'armes, je suis dégoûté. Bon ben, rang A. Mais je suis dégoûté quand même pour le sac d'armes. Bon ben, c'est pas grave. Bon, ben ça c'est fait. Et du coup, le réceptacle de cœur. Vous avez obtenu un réceptacle de cœur. Votre énergie vitale est augmentée d'un cœur. Donc ça veut dire qu'on va pas tarder à s'arrêter. Je sais que ça fait 10 épisodes courts, mais écoutez. Putain, je vais pas y arriver. Attendez. Vas-y, gagne de la vitesse, s'il te plaît. Merci. Allez, vas-y, conne-toi, vas-y. Attrape. Ah, bon, non, on va pas pouvoir y arriver. C'est pas grave. Alors, du coup, le sous total. 25, on a eu tout rond, d'accord. Alors, du coup, ok. Et la carte d'objet en A, alors 3. Alors, ça a été compté, le sac d'armes. C'est un petit peu bizarre. Je pensais, pour ce type, alors, parce que impossible à y aller, peut-être c'est comme dans Spyro. En gros, il y a des gemmes, impossible, ils peuvent partir dans l'eau. Enfin, dans le vide ou dans un endroit inaccessible. Et j'imagine que du coup, vu que c'était inaccessible, le jeu nous l'a accordé. Je pense que c'est ça. Après, je peux me tromper. Épée divine, 96 de dégâts, cœur plus. Ombrelle de papillon, 80 de dégâts, slot vide. Et épée blanche, 210 de dégâts, attaque fort 3. Élément lumière et 1000 ennemis requis. Nous avons un masque de Midona. Bien. Et une boucle d'oreille de Ruto. Et du coup, vous avez obtenu une carte d'objet boussole. Bon, ben, écoutez, ce côté, c'est fait. Ce côté, c'est fait. En plus, du coup, on va pouvoir découvrir avoir l'hydrobombe. C'est parfait. Sachant que, du coup, la prochaine fois, je pense que ça va être un épisode farm. Alors, 50%, 14%. Ouais, je pense que la prochaine fois, ça va être un épisode farm. Parce que là, on a vraiment de quoi farmer. On a ici éliminé tous les ennemis. Non. T'as vraiment cru que j'allais faire là? Non, mais en plus, il y a le banni à la con dans tes rêves. Donc, il y a ici. Même là, c'est un peu long. J'aimerais bien faire les trucs courts. Ici. Ouais, peut-être ici. Et ici. En fait, les quiz, ça va aller vite, les deux quiz là. Ça aussi, ça va aller vite. Donc, il faudrait qu'on le fasse aussi. Ah, est-ce que la prochaine fois, c'est l'épisode farm? Ouais, parce qu'il nous faut une hydrobombe. Et l'hydrobombe, elle coûte combien? Il a pris le bracelet de force. Allez, je prédis 15 000. 10 000. Allez, non. C'est trop cher. C'est trop cher, je peux pas. Et sachant que du coup, en plus, il nous le faut. Il nous le faut parce que pour cette zone-là, ça va nous permettre de débloquer la zone du haut. Tout simplement, du haut. Donc, en fait, il me le faut, quoi. Il me le faut. Cette zone-là, quoi, après. Ah oui, non, mais après, oui, pour faire cette zone-là, il me faudra ça obligatoirement. Putain, c'est vraiment un jeu qui va prendre tellement de temps, je vous jure, sachant qu'ici il y a plein de choses, en victoire de rang A, en plus il y a un matériau ultra rare, donc
Écoutez, bon, on va voir du coup ce que ça donne, sachant que moi j'enregistre. J'ai juste enregistré peut-être 6 épisodes farm et c'est tout. C'est tout. Pendant 30 minutes en fait, je farm les matériaux tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on peut s'équiper avec le. Voilà, avec Zelda, regardez. Du coup, Zelda Gang Crest 3 permet d'infliger d'importants dégâts aux ennemis quand ils se protègent. Ça requiert un masque de Midona sur 1, 2 ornements de casque de Volga sur 3 et 2 cendres de Jibdo Arden sur 3 et 5000 rubis. Gang Crest 3 va être créé. Voulez-vous continuer? Bien sûr. Le badge Gang Crest 3 a été créé, d'accord. Est-ce qu'il y aurait d'autres petites choses qu'on pourrait faire? Vu qu'on a obtenu une boucle d'oreille de Ruto. On regarde. Ok, rien du tout. Et ici? Ici, c'est... Qu'est-ce qu'il faut ici? Ah oui, des baby. Toujours le même truc que je n'aurai jamais. J'ai l'impression. C'est un truc de fou. C'est les cartes de Maître Stalfos. Si on pouvait les acheter, j'en achèterais des milliers. Moi, j'abuse, mais... J'en achèterais beaucoup, quoi. Ça me casse les couilles, je vous jure. Non, on ne miaule pas. Non, il n'y a pas de miaou. Alors, du coup, ouais. Qu'est-ce que tu veux? T'es bavard, hein. Monsieur, il est en haut du terrain, il se croit le roi du monde. Je te jure. Je vous jure, ça, les gens, je vous jure. Bien, bah écoutez. Écoutez. Oh yes, une barre de cœur, regardez, une barre de cœur en plus ici. Je l'avais pas vu. Est-ce qu'il y a une autre avec une barre de cœur en plus ici? Non, pas du tout. Pas du tout. Non, pas du tout, après. D'accord, bah c'est bien. On commence, hein, ça commence à se développer, tout ça. Donc, du coup, ben, les amis, on continuera, du coup, ce mode aventure la prochaine fois, dans lequel, du coup, la prochaine fois, attendez-vous, du coup, à un épisode farm, spécial farm, tout simplement, dans lequel, ben, comme son nom l'indique, on va farmer les matériaux. Enfin, farmer les matériaux, non, mais oui, enfin, oui et non, du coup, parce qu'on aura, on va récupérer des matériaux. Mais on va farmer surtout les cartes d'objets, surtout l'hydrobombe, parce que j'ai l'impression qu'on va en avoir besoin un petit peu de partout. Enfin, j'en vois un ici. Bon, je vois pas des trucs ici, donc en fait, c'est là où il y a que de l'eau. Donc, il y en a un ici, un là, donc il nous en faudra deux. J'en vois un rocher là, donc 3, un rocher là, donc 4. En rouge, je sais pas débloquer pour le moment, donc je sais pas. Donc, il nous en faudra 4 au moins. Donc, il faudra qu'on farme ça au moins un maximum de fois, sachant que du coup, on farmera... Alors, pour faire simple, tout simplement, on va y aller dans l'ordre. On va d'abord en 30 minutes, en fait, on va se fixer un timing 30 minutes. Et on va déjà faire les deux qui sont là. Les boussoles, en fait. Les boussoles et surtout les bougies. Bougies, boussoles. Et après, à la fin, on terminera par tout simplement faire celle-là avec les monstres. Avec les monstres géants, comme ça au moins on est tranquille. Je vous ai vraiment remercié de m'avoir suivi pour cet épisode, les amis de Hyrule Warriors. Et ne vous inquiétez pas, du coup, pour les gens qui s'attendent à. Qui veulent des épisodes. Enfin, qui veulent avec de la. Du contenu dedans, ne vous inquiétez pas, ça sera pour du coup l'épisode d'après. Donc vu que c'est l'épisode 110, donc du coup attendez-vous à du coup ça sera pour l'épisode 112. Les gens qui regarderont pas l'épisode farm, du coup, qui veulent juste voir m'avancer sur la carte aventure, pour l'épisode 112, nous nous rendrons, ça c'est une bonne question, nous nous rendrons ici. Comme ça, au moins, voilà, donc ça fera une bataille un petit peu plus classique, même si on pourrait peut-être partir ici. Après, oui, ici, il y a l'exploration à la con, toujours, c'est chiant. Ouais, donc en fait, finalement, ah non, mais non. Attendez, mais en fait, il n'y a qu'un chemin. Ah ouais, il n'y a qu'un chemin. Ou pas. Tac, 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 tac. Ou tac, 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 tac. Ah putain, ah oui, je m'attendais pas à ce point. En fait, du coup, en fait, pour arriver là, elle est où la barrière? Elle est là, la barrière. Donc en fait, pour arriver là, sans faire ça, il faut partir. Ah mais non, on sera obligé de faire ça aussi. Oh là là, c'est dur. Comment on fait pour se rendre en hauteur? Et ici, par exemple, si on fait ici. Donc, en fait, il faudrait se rendre ici.
pour aller là en direction et ici. Donc ça veut dire que la prochaine fois, les amis, dans l'épisode 112, quand vous y serez, on ira tout simplement ici et on montera progressivement. On ira ici. Ah non, mais après tu fais comment pour aller là? C'est toujours la question. Parce que du coup, en fait, sinon il faut faire tout le tour. Faire ça. Après, il faut faire les deux là. Ouh, c'est compliqué. Ou est-ce que vraiment on prend le risque de faire ça et devoir répéter l'opération dans pas très longtemps? Ouais, c'est peut-être la meilleure solution. C'est la meilleure solution. Ah, du coup, il y a trop de choses à faire. Il y a trop de choses à faire, les gens. Je sais pas quoi faire. Il faut que je décide la prochaine fois. En fait, c'est tellement ouvert parce que du coup, on va débloquer aussi l'hydrobombe. Donc, on va pouvoir faire, pas cette zone, mais on va pouvoir du coup faire surtout cette zone-là. Donc, ça va nous permettre tout simplement de débloquer plus haut. Donc, en fait, du coup, en fait, ça nous ouvre tellement de possibilités que c'est mille fois compliqué. Ah, c'est compliqué. Qu'est-ce qu'on fait, les gens? La prochaine fois. Ah, c'est compliqué, hein. La prochaine fois, je pense qu'on verra ici tout de même. On fera ici et on avancera. Alors, certes, du coup, on va débloquer. On va faire ici sans avoir débloqué le personnage. Mais au moins, ici, ça va nous permettre de débloquer toute cette zone-là. Et pour au moins. Au moins toute cette zone-là. Sachant que pour aller ici. On peut y aller par ici. Donc ça serait bien qu'on y aille par ici. Ici. On sort débloque ce personnage et en même temps on se débloque ce personnage. Ouais. Donc ça veut dire que on va partir en direction. Oh, ou peut-être on peut totalement changer de stratégie. Et on va là. Pour débloquer ici. Genre par exemple, on fait ça. On fait ça. On fait tout ça. Et on fait ça. Oui, bon, c'est bon, on a trouvé le chemin. On a trouvé le chemin potentiel quand on partira. Donc ça veut dire que la prochaine fois, on fait cette case-là, les amis. Comme ça, au moins, on va pouvoir débloquer même l'accès à deux nouvelles zones. Donc, on fera cette case-là dans laquelle il faut éliminer 500 ennemis dans le temps imparti avec... il y a le réceptacle de cœur avec Midona. Donc, j'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous en remercie vraiment de l'avoir suivi. Évidemment, la prochaine fois, c'est l'épisode farm. Hein, l'épisode 111, c'est l'épisode farm. Donc... pour les gens qui ne le regarderont pas, je vous dis à deux épisodes pour continuer la carte aventure. Et du coup, notre objectif, ce sera pour sauver ce personnage-là, qui est Skull Kid, hein, on peut le voir sur l'illustration, qui est Skull Kid, tout simplement, qu'on ira sauver, et on progressera, tout simplement. On ira ici, on explorera ici, il y a plein de choses, sachant que pour explorer là, il faudra qu'on aille ici pour récupérer ça, qu'on revienne là, pour qu'on explore là. C'est vraiment une merde. Mais en tout cas, voilà. Au moins, on a le planning pour la prochaine fois. Donc, la prochaine fois, c'est l'épisode farm, comme son nom l'indique. On va récupérer un maximum de boussoles. Surtout pour les arbres, parce qu'en fait, ici, on n'a pas fini. Il y a plein d'arbres et tout. Il y a plein d'explorations à faire. Donc, les boussoles, on en aura toujours besoin. Et même, on a des murs, donc on en aura toujours besoin. Et du coup, il nous faudra des bougies en même temps. On explore. Du coup, on farmera également l'hydrobombe. Et comme ça, au moins c'est fait et on n'aura plus à y revenir, sachant que du coup ici il nous faudra deux radeaux dans le truc, donc du coup il faudra aller ici aussi. Donc ouais, donc c'est vraiment la merde, cette zone c'est vraiment la merde, il y a tellement de choses à faire, c'est vraiment, ce jeu est pété de trucs. Donc je vous dis à la prochaine pour la suite de notre aventure sur Hyrule Warriors Definitive Edition. D'ici là, portez-vous bien. Ciao tout le monde. Hey.